Salut, bienvenue dans ce format court où on parle de collinéarité. Et donc on commence par une définition, tout naturellement. UEV sont dits collinéaires lorsqu'il existe un réel K non nul, tel que U est égal à K fois V. Ou encore V égale 1 sur K fois U. C'est possible car K est non nul. Donc un petit exemple visuel, on va partir du vecteur U. Et on va s'intéresser au vecteur V, on voit que la direction est la même, que le sens est opposé, et qu'au niveau longueur, V est deux fois plus grand. Donc on va écrire V est égal à moins 2 fois U. Ce qui signifie, d'après la définition précédente, que U et V sont collinaires. Le vecteur W, lui, il est égal à moins K fois U, de la même manière. J'aurais aussi pu dire que W est égal à 2 fois V. Donc U et V sont collinaires, très bien, mais on peut aussi dire que U et W sont collinaires, ou que V et W sont collinaires, bref, trois vecteurs sont collinaires. J'aurais aussi pu écrire que U est égal à moins 1 demi fois V, en passant moins 2 de l'autre côté. Donc on va faire deux remarques vraiment importantes pour la suite. Dès qu'on parle de collinéarité, on parle de direction. Des vecteurs collinaires, ce sont des vecteurs qui ont même direction. Donc on ne parle pas de sens, on ne parle pas de longueur ici. En revanche, si k est strictement positif, on peut quand même dire que le sens est identique. Et quand k est strictement négatif, le sens est contraire. Deuxième remarque, quand on a des vecteurs collinaires, leurs coordonnées sont proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce fameux k, bien sûr. Et ça, ça va être vraiment utile pour la suite. Sur un exemple, si je pars sur deux vecteurs de coordonnées données, genre u 3-2 et v moins 12, 8, eh bien il suffit de vérifier que les coordonnées sont proportionnelles. Pour ça, ben, pourquoi pas un tableau? Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas? Donc je vous propose en ligne de mettre les coordonnées, x et y, et puis en colonne, ben, les noms des vecteurs, pourquoi pas. On place les coordonnées, et puis là, ben, on s'arrange comme on peut pour prouver ou pas la proportionnalité. Produit en croix, c'est une idée. 3 fois 8, ça fait 24. Moins 2 fois moins 12, ça fait également 24. C'est gagné. Le tableau est de proportionnalité, donc les vecteurs sont collinéaires. Et au passage, sur ce petit exemple, on peut même faire mieux et donner le k. Pour aller de u à v, on multiplie par moins 4. Donc v est égal à moins 4 fois u, pour coller à la définition précédente. Donc on peut toujours procéder de cette manière. Mais c'est un peu long et fastidieux, donc on a un outil à notre disposition qui va nous permettre de gagner du temps et de l'efficacité, et c'est ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant de U et de V, de coordonnées x, y et x', y', eh bien c'est un nombre qu'on note det de UV. Et ce nombre, il est égal à xy' moins yx'. Et en gros, il correspond à mon produit en croix. Tout à l'heure, j'ai montré que x fois y' c'était égal à y fois x'. Ce qui revient au même que de montrer que la différence des deux est égale à 0 en fait. Et bien justement, on va se servir de ça pour écrire une propriété. Dès que vous avez U et V de coordonnées données, ces deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Ce qui est assez rapide. Revenons donc sur l'exemple précédent. On calcule le déterminant de U et de V. Ce qui donne donc en application numérique 3 fois 8, on croise, moins au milieu, moins 2 fois moins 12. Ce qui donne ici 24 moins 24, égal à 0. Conclusion, les vecteurs U et V sont collinaires. Donc le déterminant est un vrai outil. Et la collinéarité, ça sert à quoi spécifiquement? Eh bien à prouver le parallélisme de droite, par exemple, ou alors à montrer que trois points sont alignés. Ce sont des choses compliquées à montrer dans les petites classes, mais grâce à cet outil, ça va devenir assez rapide. Donc on part sur ces deux points-là et on commence par deux propriétés. La première, quand vous avez deux vecteurs AB et MN qui sont collinéaires, c'est équivalent à la droite AB est parallèle à la droite MN. Normal, puisque ces deux droites partagent la même direction. Un petit exemple. Deux droites avec quatre points AB, M et N, deux coordonnées données à lire, sur le graphique. On calcule les coordonnées des vecteurs AB et MN grâce à la formule bien connue mais que je vous rappelle quand même ici. Donc AB c'est 3, 1 et MN c'est moins 6, moins 2 et on calcule directement le déterminant de AB et MN, ce qui donne 3 fois moins 2 moins 1 fois moins 6,
c'est-à-dire moins 6 plus 6, 0. Double conclusion, les vecteurs AB et MN sont collinaires et la droite AB est parallèle à la droite MN. Efficace. Parlons maintenant alignement, sous-entendu de 3 points, genre ABC. On va constituer deux vecteurs avec ces 3 points, par exemple AB et AC. Eh bien, si AB et AC sont collinaires, ça équivaut à ABC aligné. Puisqu'en fait, on est en présence de deux droites, AB et AC, parallèles, qui se partagent un même point, le point A, donc en fait, elles sont confondues, ces deux droites, donc les points sont alignés. Nouvel exemple, 3 points, pareil, donnés. On va prouver que les 3 points ne sont pas alignés, ce qu'on pouvait conjecturer sur le dessin. Comment faire ? Eh bien, pareil, on crée deux vecteurs avec ces 3 points, par exemple AB et AC, mais ça aurait pu être aussi BC et AB. Et puis, on calcule leurs coordonnées, puis leurs déterminants. Ici, ça fait 11 fois moins 1, moins moins 3 fois 4, ce qui fait moins 11 plus 12, ce qui vaut 1. 1 n'est pas nul, donc double conclusion, A, B et C ne sont pas collinaires, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. À bientôt.